Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, si par exemple vous nous écoutez depuis la crêperie, merci. Si vous êtes là depuis le début de l'émission, à suivre notre invité, c'est le chanteur désormais romancier Raphaël Haroche pour son premier roman, justement, Avalanche. Bonjour Héloïse Gouard. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Jean-Luc Lemoine. Bonjour Philippe Vandel. Et Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme. Pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, exceptionnellement, vous avez décidé de ne pas vous concentrer sur une émission, mais sur un homme. Peut-être le plus grand homme qui ait connu les médias, en tout cas sur les 30 dernières années. Eh ben ça va, les lancements, on se fait plaisir. Parce qu'en effet, aujourd'hui, je vais parler de vous, Philippe. Non. Si. Oh mince. Alors, je sais même pas. Alors, je précise pour ceux qui voudraient, enfin, qui vous prendraient pour un gros prétentieux, hein, vous découvrez le lancement en le lisant. Ouais. Même si vous me l'envoyez la veille par texto en me disant « On est d'accord, tu dis pas que c'est moi. » Mais c'est tellement pas vrai. Oui, tellement si, vrai. Si. La vérité, je vois la vérité aux gens, je découvre à 10h04 le lancement. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous rendre hommage car vous nous avez fait une bonne semaine. Hein. Mardi déjà, vous étiez sur le coup pendant la chronique BD de Sébastien Bordenave. Sébastien qui était un peu imprudent. Il a fait une erreur de débutant, il vous a écrit une relance. La grosse boulette. Une relance, c'est quand un chroniqueur fait une pause dans sa rubrique pour que l'animateur intervienne et donne l'impression qu'il s'intéresse. Et évidemment, tout est écrit. Témoin, celle-là que je vous conseille, toute petite, elle s'appelle 31 juillet. Attention Philippe, vous avez une relance qui est écrite, vous êtes en train de lire une BD. Oui, et ma relance, je la vois pas, elle est pas sur ma feuille. Bah écoutez, après cette BD... Ah oui, après cette BD qui tient dans la main, Visiblement, il y a des petits problèmes de lecture quand même. Hein. Et après cette BD, c'est quoi une BD, Philippe? C'est une sorte de BD mal prononcée. Voilà, vous êtes vraiment un chroniqueur BD dans Culture Média? Tellement. Non, parce que ça m'intéresse. L'autre grand moment de la semaine, le gros coup de Culture Média, c'était bien évidemment l'interview que tout le monde voulait avoir, mais que vous seul avez pu obtenir, l'interview du directeur général de TV Vendée. C'est évidemment à écouter en podcast, hein, si vous aimez la Vendée. Et si vous n'avez pas la patience d'attendre, on a compressé toute l'interview de 20 minutes en 20 secondes. Hervé Leroc, le directeur général de TV Vendée, bonjour. Bonjour Philippe Vendée. Qui sont vos concurrents? C'est France 3 Vendée? D'abord c'est France 3 Pays de la Loire aujourd'hui. Il est de quel bord Alain Leboeuf? Il est de droite. Est-ce que la gauche vendéenne vote les subventions avec la droite vendéenne? C'était ça ma question. Il faudrait encore qu'il y ait une gauche en Vendée. Merci d'être venu de Vendée. La TV Vendée, ça se fait de là-bas. Oui, ça se fait de là-bas. Merci de m'avoir invité. Voilà, il y avait tout. Il y avait tout. Hein. Pour l'essentiel, pour le reste, Europe1.fr, pour les applis. Mais alors, là où vous avez été au top, Philippe, c'était hier. Ah, bah oui, vous receviez Gad Elmaleh. Ouais. Alors déjà, vous avez attaqué la deuxième heure avec beaucoup de politesse, hein, presque trop. Vous vouliez oublier personne. Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement. Merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. Merci si vous nous écoutez en podcast. Merci si vous nous écoutez par hasard dans un taxi, car un chauffeur aime beaucoup Culture Média. Merci si vous êtes séquestré dans une cave et que c'est la seule station que vous captez. Et merci si vous tombez sur cet enregistrement après la fin du monde et que vous découvrez l'actualité média d'il y a 300 ans. Oui, la deuxième heure de Culture Média, c'est déjà un bon quart d'heure de remerciement. Hein. Donc après, vous receviez Gad Elmaleh et vous vouliez lui parler de son film avec la précision qu'on vous connaît. Reste un peu et toujours à l'affiche. 425 000 entrées et c'est pas fini. Ah non, 475 000. Bon, petite erreur. Pas très grave. Non. Hein. D'habitude, ça passe. Mais là, Gad vous a expliqué pourquoi c'était important. Et vous vous êtes pas démonté. Vous avez enchaîné, quitte à enfoncer les portes ouvertes. Sur des petits films comme ça, la différence entre 420 et 475 est très importante. Bien sûr, puisque 400, on est plus près de 400. 475 000, on est plus près de 500. De 500. Et 500, c'est un demi-million. Le compte est bon. Très bien. Vous vous rendez compte de ce que vous affirmez? 500, c'est un demi-million. Oui. C'est courageux. Je savais pas que vous étiez aussi mathématicien. En fait, c'est comme ça qu'il compte dans le cinéma. Ouais. Mais ma phrase préférée, ça reste ça quand même. Bien sûr, puisque 400, on est plus près de 400. 400, on est plus près de 400, on est même dessus Philippe. Hein, bon, après, l'excellent journaliste que vous êtes a repris le dessus et vous avez posé une question très pertinente sur le titre du spectacle de Gad. Votre actu, c'est ce dernier spectacle qui s'appelle D'ailleurs. D'ailleurs, ça veut dire que vous venez d'ailleurs ou c'est un spectacle à base, je pose la question alors que je l'ai vu, à base de digression en fait, d'ailleurs. C'est une bonne question. Mais c'est ça que j'aime chez vous, c'est que vous trouvez toujours le bon axe. Là, le premier truc qui vous a marqué, c'est le titre à double sens du spectacle. Donc vous en avez fait une question. Et il vous a tellement marqué ce titre que plus tard dans l'émission... En compagnie de Gad Elmaleh, ça s'appelle Ailleurs, c'est son dernier spectacle. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Gad Elmaleh, Ailleurs, ça s'appelle... D'ailleurs, son dernier spectacle. C'est pas son truc les titres à Philippe, hein. Parce que même le nom de son émission, parfois il a du mal. D'ailleurs, à partir de demain, 21h sur MyCanal, c'était un immense plaisir Merci à Philippe, de vous avoir reçu ici dans Culture Média. Culture Média. Et pourquoi pas Culture Clamidia, hein, mais
Mais vous n'êtes pas seul à avoir la langue qui fourche dans l'équipe. Hein. Parfois, il y a des lapsus révélateurs. Enfin, peut-être, si on écoute. Si on écoute Louise Bernard. Pauline Devin, vice-présidente chargée des contenus originaux, s'est justifiée sur cette stratégie dans un communiqué. La France regorge de câlins, de talents, avec un véritable savoir-faire. Oui, tout à fait. Et comme aujourd'hui, c'était son dernier journal des médias et qu'elle a beaucoup de talent, bah, c'est moi qui lui fais un gros câlin. À lundi. Ah, c'était magnifique. Merci beaucoup, Jean-Luc. À lundi, on vous retrouve dans Historiquement Vaud tous les jours de 16h à 18h.